Kate Middleton a décidé d'organiser un nouveau concert de Noël à l'abbaye de Westminster, le jeudi 15 décembre. L'année dernière, la femme du prince William avait dévoilé ses talents de pianiste. Cette année, elle s'est confiée sur les critiques de ses trois enfants concernant sa manière de chanter. C'est un événement qui pourrait se transformer en nouvelle tradition pour la monarchie britannique. Le jeudi 15 décembre, Kate Middleton a organisé un concert de chant de Noël à l'abbaye de Westminster, un an après son premier essai. En effet, le 24 décembre 2021, la princesse de Galles avait accueilli plusieurs artistes qui s'étaient produits dans l'abbaye et dont les performances avaient été retransmises à la télévision. Cette année, la femme du prince William a décidé de renouveler l'expérience, tout en réservant un hommage particulier à la reine Elisabeth II, morte en septembre dernier. Pour l'occasion, elle avait décidé de mettre les Britanniques à contribution, en leur proposant de choisir le dernier chant de Noël, sur les réseaux sociaux. Kate Middleton moquée par ses trois enfants sur ses performances vocales lors de la première édition de Together at Christmas, Kate Middleton avait surpris en accompagnant au piano le chanteur Tom Walker, sur la chanson For Those Who Can't Be Here. Si elle n'a pas encore confirmé qu'elle avait retenté l'expérience cette année, la femme de 40 ans a confié à des organisateurs de l'événement qu'elle n'était pas prête à chanter. Elle a d'ailleurs souligné, au piano, on peut facilement masquer une petite erreur, contrairement au chant. La maman de trois enfants a ensuite poursuivi en expliquant que George, Charlotte et Louis ne manquaient pas de se moquer de ses performances vocales. Mes enfants ne me le pardonneraient pas. Je ne suis pas sûre qu'ils apprécient particulièrement ma voix quand je chante. Je vais devoir prendre des cours, a-t-elle raconté avec humour. Des critiques qui ne l'auraient donc pas incité à prendre le micro dans l'abbaye de Westminster.